matelots ici d'effroi. Du coup, pour le 21e épisode de Projet Genesis, donc vous avez pu le voir hein, normalement, puisque je. Voilà. Normalement, vous avez eu le timelapse pour le suivi de la construction de ce espèce de complexe. Donc voilà, c'est une sorte de complexe résidentiel en fait, que j'avais trouvé sur un site. J'avais trouvé sympa, j'avais envie de le reproduire sur Minecraft. Et donc c'est vrai qu'il est un peu particulier. Pour une construction moderne, il y a des grosses connexions de textures, hein, pour les mauvais qui me diront ça. Il y a les ombres qui bug un peu, je vais voir si je peux pas aller sur un autre. Voilà, avec celui-là ça devrait aller. Donc, qu'est-ce que je peux raconter sur ce bâtiment à proprement parler? je sais pas trop, il m'a intrigué en fait. C'est mon fond d'écran d'ailleurs. Voilà pour raconter ma vie. J'avais trouvé sympa en fait le fait de faire comment dire, une espèce de quartier en un seul bâtiment. Vous voyez, il y a un socle commun, comme vous avez pu le voir, et les bâtiments qui sont construits par-dessus, avec des espèces de barres, des barres d'immeubles comme ça, avec un espace à l'intérieur, un espace clos. Et je vous avoue que c'est ce type de construction aussi qui m'a influencé pour la construction de Projet Genesis dans son ensemble. Parce que c'est un peu comme ça que j'ai construit la map aussi, c'est-à-dire vraiment un espace qui va être séparé, limité par la route ici. Et tout l'espace à l'intérieur là va être complètement un espèce d'espace clos, en fait. Et j'ai voulu le faire un peu comme pour ce bâtiment-là, finalement. Parce que ce bâtiment-là, je le connaissais avant la construction de Projet Genesis. Donc il n'est pas aménagé, du moins pas encore. Est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Ça manque de luminosité, ça c'est sûr. Ça c'est comme toujours. Donc voilà un peu l'intérieur. En gros, voilà. Il y a un espace à l'intérieur. Oh, c'est stylé ça comme vue. Avec les shaders et tout. Ah, moi j'aime bien. Bon, en gros voilà, il y a une espèce de terrasse à l'intérieur avec, avec des plantations, un espace détente et tout, sous une espèce de verrière. Heureux, là je reprends la vidéo parce que j'ai eu un putain de hockey de merde là pendant 20 minutes. Ça m'a. Bon, bref, la verrière, oui, donc elle sert un peu de serre aussi en fait. Elle a. Ah oui, voilà, enfin elle sert de serre. Et du coup, ça permet de faire des charpentes comme ça, que j'ai fait du coup en cobblestone wall, qui sont assez stylées, ma foi, je trouve bien. Ça permet de donner une charpente à l'intérieur, et donner un peu de style au niveau de l'extérieur aussi. Voilà, donc ça fait une espèce d'espace très sympathique, je trouve. Avec du coup une terrasse là qui est au premier étage. Enfin, au deuxième étage, en fait, puisqu'il y a le socle en dessous, ici, c'est le premier étage. Et du coup, ici, c'est le deuxième, qui est tout à fait sympa. Ou alors, je sais pas trop quoi rajouter d'autre, si ce n'est le fait que, bah, du coup, j'ai mis tout le fait, enfin, toute la décoration autour, en fait, hein, du bâtiment, je l'ai placé sur la map. Et voilà, donc j'ai fait les petits nanarbres. Sinon, évidemment, c'est la reprise de Projet Genesis que j'avais laissé un peu en stand-by depuis quelques temps. Et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé depuis lors. Hein. En fait, comme vous le voyez là, il y a des gros arbres. Et c'est parce qu'en fait, j'ai fait mon petit bundle d'arbres. J'ai pris des arbres que j'avais vus sur plein de packs de bundles d'arbres différents. Et du coup, j'ai pris ceux qui m'intéressaient. Et bah voilà, j'ai appris à les reproduire en partie. C'est pour ça que j'en avais fait un tutoriel, normalement, la semaine dernière pour vous. Parce que là, quand je tourne la vidéo, la vidéo sur le tutoriel des arbres n'est pas encore mise en ligne. Enfin, il est fini, hein, mais il est pas vous le voyez pas encore. Alors donc, voilà, donc j'ai changé la couleur des ponts, mais ça s'en fout un peu. J'ai mis des arbres, voilà. J'ai rajouté pas mal d'arbres un peu partout, histoire
d'être mieux, parce que c'est vrai que je trouve dommage de pas avoir des arbres un peu comme dans la réalité, c'est-à-dire des arbres qui dépassent la taille des maisons. Parce que voilà, dans la réalité, c'est très souvent comme ça, hein. Il y a des arbres qui dépassent très 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 largement la taille des maisons. Et je trouvais dommage de pas en avoir. Ça donnait quelque chose de plus réaliste, je trouvais. Et donc, j'en ai mis un peu partout. Voilà. Donc là, ça sera un autre tuto aussi que je ferai cette semaine. Cette maison, petite maison, mais sympathique. Là aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est le grand retour de Projet Genesis. À chaque fois maintenant, ça seront des timelapses. Parce que je trouve bien mieux de faire des épisodes comme ça, en timelapse, plutôt qu'en let's build. Peut-être que je ferai une partie timelapse, une partie let's build, pour avoir des petits trucs à faire. Pourquoi pas? Bref, voilà. Alors, l'idée, c'est vrai que ce complexe-là, j'ai pas trop parlé, mais... l'idée, ce serait de plutôt mettre des genres de boutiques ou une galerie marchande au premier étage et les habitations vraiment au-dessus. Histoire de vraiment avoir un quartier entier dans un seul gros bâtiment. Et ça m'a pas mal plu, en fait, cette histoire. Beaucoup, beaucoup. Même si, effectivement, les toits, notamment, faut aimer. Là, je conçois que certains d'entre vous soient dubitatifs, on va dire. Mais bon, moi j'aime bien. Voilà, ça change un peu d'habitude. À ceux qui sont absolument contre les connexions de texture, là pour le coup, c'est un peu différent. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. J'attends vos retours dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Pour la prochaine. Le prochain timelapse, je sais pas exactement ce que ça sera. On verra bien. Ce sera la surprise. Sur ce. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.